Le 13 avril dernier, se sont déroulées les rencontres régionales de l'Observatoire d'été DICT Hauts-de-France au Louvre-Lens. Durant l'après-midi, différents acteurs des travaux publics et de collectivités ont assisté à des tables rondes sur différentes thématiques, comme par exemple rôle et responsabilité, professionnalisme des interventions sur le chantier et arrêt de chantier. L'organisme des TDICT a pour but de lutter contre les casses réseaux sur les chantiers. Et donc l'objectif d'aujourd'hui, c'était de prêcher la bonne parole, déjà donc de bien faire un rappel des règles par le ministère, par l'Observatoire national, et remonter les problèmes de chacun auprès de l'Observatoire national afin de faire modifier les règles quand il y a des choses à améliorer. Organisé conjointement avec la Fédération Hauts-de-France des travaux publics, et l'agglo Lens-Liévin, qui est un acteur clé de la prévention de l'endommagement des réseaux. Ces différentes interventions ont permis de faire un rappel sur la sensibilisation, la sécurité et la promotion des bonnes pratiques vis-à-vis des réformes établies. Les règles sont bien maîtrisées, sont bien comprises. Mais il faut toujours faire un rappel, c'est un peu comme avec vos enfants, c'est pas parce qu'ils connaissent la règle qu'ils n'essayent pas de la transgresser parfois. Donc le tout, c'est d'être assez pédagogique pour faire comprendre à tous les acteurs que c'est leur intérêt de respecter les règles. À l'issue de cette conférence, Georges Lecor, le président de l'Observatoire national d'été DICT, s'est dit satisfait de ces échanges qui vont améliorer les connaissances et bonnes pratiques à mettre en œuvre. Posez-vous des questions sur les recommandations aussi. Est-ce que j'ai bien réfléchi à savoir si je ne dois pas l'utiliser? Donc, c'est dans ces démarches-là qu'on est en train de travailler, etc. Et merci pour ce que vous avez fait. On va prendre un peu le temps d'analyser, de questionner un peu les gens présents, savoir un peu leur retour. Mais déjà, les 5 premières minutes depuis la fin de cette cérémonie, de cette manifestation, sont plutôt positives, puisque les gens me disent que c'était très utile et très intéressant. Qui était là pour surveiller qu'on ne cassait pas les résultats.